ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde. Votre amendement fixe une date d'arrêt de mise sur le marché de plastique jetable en 2040. C'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Qui va donc bien au-delà de la division par 4 d'ici 2040 que les sénateurs avaient adoptée. Quand ils s'oublient à faire pipi au lit, ou bien sur leurs chaussettes, ou à cracher comme des papolis, elle reste muette, la maman. Je crois que c'est là un signal très puissant, très fort, très concret, presque, pour le coup, je le dis, historique, que la France envoie à ses partenaires européens et au reste du monde. Nous sommes résolument engagés dans la lutte contre le plastique jetable parce que cette prolifération est la source. Si l'on ne voit pas pleurer Brune Poirson, qui est au ministère, c'est que quand on lui parle de pollution, elle ne panique guère. Quand on crée un nouvel aéroport, ou qu'on décime des arbres, qu'on fabrique une méga usine de porc, elle reste de marbre. La secrétaire Brune Poirson, elle est étonnante, elle vous explique calmement que quand quelque chose est urgent, qu'on est proche de l'effondrement, faut avant tout prendre son temps. La secrétaire Brune Poirson, elle est désarmante, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Elle annonce maintenir les énergies fossiles et mettre fin au plastique en 2040. La secrétaire Brune Poirson, elle est désarmante, dans l'activisme elle ne voit qu'une violence que rien ne justifie. Les dégradations, ça lui va tant que c'est bon pour l'économie. La secrétaire Brune Poirson, elle est amusante, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Elle promet à Total des 100 et des 1000, de la prison pour les masses désobéissantes. La secrétaire Brune Poirson, elle est amusante, ses amis ont pas mal d'oseille. Du coup, elle aime la taxe carbone, car quand c'est les moins riches qui payent, ça prouve que la mesure est bonne. La secrétaire Brune Poirson, elle est surprenante, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Plus d'inégalités, elle trouve ça habile. Du coup, dans les sondages, elle remonte pas la pente. La secrétaire Brune Poirson, elle est surprenante. Quant au sujet des pesticides, on remet tout à dans 3 ans. Pour son image, ça fait un bide. Elle le regrette, mais elle comprend. Si l'on ne voit pas pleurer Brune Poirson, qui est au ministère, c'est que quand on lui parle de pollution, elle ne panique guère. La secrétaire Brune Poirson, elle est désarmante.